rien. Ouais, tu bouges comme ça, tu touches à rien, il est parfait. Sébastien, le tandem Garato-Rafa une nouvelle fois frappé. Ouais, bah, on a des chevaux pour gagner des belles courses. On a 4, 5, 6 chevaux vraiment pour gagner les groupes. Donc ça se passe bien, c'est super. Il n'y en a rien à dire. On est assez confiant parce qu'il est venu l'essayer il y a un mois à la maison. Le cheval était parfait d'allure. J'ai dit, on va retenter le coup quand même. Mais c'est quoi qui t'incitait à retenter le coup? Bah déjà parce que Atlé il est barré par, faut dire ce qui est, par 7-8 chevaux, 5-6 chevaux, ça dépend. Après on vise que les 5e place, 4e place. Aladdin est meilleur, Athos des Elfes est meilleur, Hakim du Caver est meilleur, il y a, sans compter les femelles, tout ça. Donc j'ai dit on va leur essayer un coup monté. Et puis par rapport au partant, en classe d'attache, il court tout seul quoi. Parce que bon, les autres athlètes sont beaucoup moins bons que lui voilà, en faisant une comparaison. Et donc on a vu pour finir, il s'est envolé pour finir. Il a dû te plaire, même si dans le dernier tournant, enfin sortie de tournant, t'as dû avoir peur parce qu'il était bloqué. T'es bloqué, mais après bon, monter, on arrive toujours à faire le. Ça s'ouvre toujours un petit peu, il n'y a pas les sulky derrière. Donc non, ça allait. Je suis assez confiant. Je regardais surtout Eric ce qu'il avait dans les mains, il était plein bras, je dis là ça va faire mal quand il va sortir. Il a bien contré une droite, il s'est bien relancé. Oui, il était impeccable. Ah ouais? Ouais, j'étais en sécurité. Toi, il relève, mais il va faire le coup. Ouais. Par contre, c'est moi qui ai mis les genoux, tu vois. Ouais, mais c'est des petits genoux, ça, des petits genoux pas. Super rentrée d'Al Capone. Oui, c'est bien. C'est bien. Il est bienvenu en montant. Et puis, il a manqué un petit peu. Ben, il n'a pas couru depuis le président. Hein. Je n'ai pas osé le courir attelé. Il y avait très bons chevaux attelés. Il y a 15 jours, là, j'ai pas osé le courir Atlé, mais bon, Atlé, ça va aller Atlé aussi. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? Il a été bon jusqu'au bout. Le faux départ, il est très bien parti, hein. Et puis après, il est bien parti. Mathieu a pris son temps. Il est venu en montant tonique. Il était tonique. Et puis bien pour finir, il appuie encore sur les pédales, hein. Donc on est content, satisfait. Je me livre de ça. Mathieu, j'ai un joli plan. L'homme qui regarde et la femme qui travaille. Ouais, exact. Ouais, non, on va se décaler, puis après, oui, c'est vrai que ça fait moyen. Al Capone, super rentrée. Ouais, très bien. Il est parcouru depuis le président. Et super. Premier départ, j'étais un petit peu mieux parti. Après, j'ai pris mon temps et on allait pas très vite en bas de la descente. Donc, je suis venu au kilomètre. Et puis, après, il a vraiment bien prolongé son effort, donc il avait besoin d'une bonne course. Ce qui m'a bien plu, c'est que d'allure, j'étais en sécurité et pour finir, il s'est bien rallongé, donc c'est très bien. T'as essayé de tenir Astor Duquesne à l'entrée de la ligne droite? Bah, un petit peu. Eric, il avait quand même pas mal de gaz. La jument de tête était à fond. Moi, je suis venu en dehors de lui. Après, j'ai ressoufflé tout le dernier tournant. Et ouais, d'un coup, il avait du gaz. Il est sorti, quoi. Foutu. Nat, est-ce que le faux départ lui coûte cher? Moi, je pense la seconde place parce qu'on a été obligé quand même de démarrer un petit peu plus vite que j'aurais fait si j'étais partie sur la même ligne qu'eux. Donc oui, un petit peu, je pense. Après, finalement, même si tu es partie en retraite, tu étais tout de suite au contact des premiers. Oui, c'est une jument qui démarre assez vite, donc on était tout de suite là. On a eu un bon parcours. Après, elle manquait peut-être d'une vraie course. La jument, elle ne démarre pas, elle court très bien. Elle a été courageuse jusqu'au bout.